were to be convicted on your basis. Most of them. Ne jamais trahir le pays. Il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple, de ne jamais trahir ses valeurs. Ordonnance numéro 20/149B du 29 décembre 2020 portant nomination au sein du groupement à des écoles supérieures militaires. République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2020, portant révision. Hey, nous voici Kinshasa. Pas la poto, pas la kin, pas la motibomba. Agence Fouette Service, Congo et Bissotou. Congo et Bissotou. Agence pour vos envois, vos colis, vos fatigues, bilot qu'on a binonion, surtout n'a pas na oyo basan allemand, la ville à qui serve d'offre. Agence Moko et Yekuna, le pays, la combo et Fouette Service, Congo et Bissotou. Il y a PDG Nico Samilema. Il y a des gens qui ont été connus. Idéologie à tinda tinda lemba balobi aux en a besoin qu'au tinda biloko na yo ma colline yo balobi agence zaka kamoko agence robot et ça on a pour n'a pour rendre bino service ya qu'au tinda biloko na yo aux en a potoni qu'au tinda en gros comme à la Kinshasa aux en a besoin comme à partout en Afrique balobi aux en agence zaka kamoko robot ya moi n'a mboka et soit mis la commune à Kinshasa quartier Matongé na boulevard Sendwe numéro 1 bus. Oh, ils ont mis à moi Namboka, Balobi Tindabil. Pépé, automobile, agence, réobot, Yassala, Yassala, Nicolo, Yamondi, Tindi, Osuito, Assurance et Fanny. Oh, ils ont mis à moi Namboka, Sonakin, Sonotin, Bandel, Nébonios, Wana, France, Motina, Biloko, Pépé, Tozawan. Pour tirer les trois balles sur le président. Une balle est allée sous l'oreille gauche, une deuxième dans la poitrine et une troisième dans l'abdomen. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital de Ngaliéba comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à l'étranger comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de crier ou de demander secours à qui que ce soit. Et quand il est mort, moi, devant vous, votre frère, je n'étais pas avec lui. Je l'ai trouvé à un autre endroit, avec d'autres dignitaires du régime, nous attendions l'audience pour entrer auprès du président. Le destin est arrivé et lui, il est parti. Le pays s'est arrêté ces jours-là. Et vous êtes tous témoins, pour ceux qui avaient de l'âge à cette époque. Notre pays avait trois pouvoirs. Il y avait un gouvernement à Goma, avec le RCD. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, avec le MLC. Et il y avait le gouvernement ici. Et donc nous étions en pleine guerre quand le président est mort. Et sa mort a constitué pour la République démocratique du Congo une occasion de menace grave pour sa balkanisation, pour le chaos. Parce qu'assassiner un président de la République dans son bureau, vivant, pendant la guerre, c'était la condition la meilleure pour que le pays tombe dans les chaos. Et moi, d'abord, entre parenthèses, pendant que le président meurt, là où j'étais assis, moi avec d'autres, il y avait un général-major. Il était supérieur à moi.
Lorsqu'il a appris que le président est tué, ce général n'a trouvé des solutions que s'enfuir pour protéger sa propre vie. Il aurait dû, lui comme général, prendre la responsabilité parce que le commandant suprême est tombé. Il faut que quelqu'un prenne les choses à lui. Lui, il a fui. Je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela. Les gens auraient souhaité aussi que moi je fuis aussi. Parce que si j'avais fui, je ne serais pas en prison. Tous les assassins de Kabila, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté. Et ne sont en prison que les innocents. Oui, parce que si nous qui sommes ici, nous étions des coupables, nous ne serions pas en prison. Les assassins sont dehors. Et ils savent que nous savons qu'ils sont dehors. Mais l'histoire des hommes est faite ainsi. Nous, ce que nous devons prendre à cette occasion, c'est de penser à l'idée qu'avait Laurent Désiré Kabila pour ce peuple. Ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Le pays, c'est quoi? Le pays, c'est le peuple. Le pays, ce sont ses lois. Le pays, ce sont ses valeurs. Et lorsque Kabila dit ne jamais trahir le pays, il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple, de ne jamais trahir ses valeurs, de ne jamais trahir ses lois. Parce que celui qui trahit le pays, il se trahit lui-même. Mes amis, mes camarades, le moment est assez difficile dans l'histoire de notre pays. Et il est possible que toute l'œuvre de Laurent Désiré Kabila soit chiffonnée, soit oubliée, soit dénigrée, en jetant même de l'opprobre sur sa mémoire, à cause de ce qui se vit actuellement au pays. Mais moi, j'étais le fidèle de fidèle de Laurent Désiré Kabila. Et je lui ai prêté serment que je ne trahirai jamais. Je demande à vous qui m'écoutez ici ou ailleurs de vous souvenir en mémoire glorieuse de Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation. Quoi qu'il arrive, Kabila a donné sa vie pour le peuple congolais. Et le peuple est vivant. Je demande au peuple congolais, ici ou ailleurs, de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désiré Kabila. C'est un homme qui a aimé le peuple. Et je sais, pendant que je dis ces choses, vous tous, vous l'aviez beaucoup aimé, vous l'aviez pleuré. Et tout le reste qui a suivi après sa mort, c'est à cause de son nom. À cause de votre amour pour lui, que tout s'est déroulé de la façon que vous l'avez su. J'avais pris mes responsabilités à cette époque conformément au testament politique dont j'étais gardien, établi par Laurent Désiré Kabila, que je ne devais pas, dans une situation pareille, laisser le pays à la merci de meurtrier. J'ai pris mes responsabilités. J'ai donné les ordres que vous connaissez, dont vous avez encore souvenir aujourd'hui, pour demander à l'armée et à tout le monde de s'abstenir à poser tout acte de nature à perpétrer les crimes parmi notre peuple. Ainsi, à partir de ce moment-là, Laurent Désiré Kabila, il est mort seul. Et le peuple a survécu. Parce qu'il a aimé le peuple. Vous voyez quelqu'un qui a aimé le peuple, qui a prévu que même si ma vie est mise à prix, jamais elle pourra provoquer les séismes contre mon peuple. Autant nous sommes en train de parler ces choses dans l'église de Dieu.
Christ qui est venu sauver l'humanité, nous l'avons persécuté, nous l'avons condamné, nous l'avons bastionné, nous l'avons tué, et il est mort seul. Kabila a aimé le pays. Ordonnance numéro 20/149 B du 29 décembre 2020 portant nomination au sein du groupement des écoles supérieures militaires. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement ses articles 69, 79 et 81, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 9, 89, 90 et 92, vu la loi organique numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi organique, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 73, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, alinéa 1er, 73 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13/061 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement du commandement général des écoles militaires, spécialement en ses articles 20, 28, 29 et 30, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé chef d'État major du groupement des écoles supérieures militaires, le général de brigade Quinquenza Jean-Claude, matricule 1 64 85 989 74 65. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga, Ilunkemba, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberonte, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/149 C du 29 décembre 2020 portant nomination au sein de l'école de guerre de Kinshasa. Vu l'arrêté ministériel numéro MDNAC/CAB/013/2020 du 14 décembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'une école supérieure d'état-major dénommée École de guerre de Kinshasa, EGK, en sigle, spécialement son article 10, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement,
Le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé commandant de l'école de guerre de Kinshasa le général de brigade Mouland Nawej Godefroy, matricule 1 64 97 07 290 27. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/149E du 29 décembre 2020 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12/001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement son article 3, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/017 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé au grade de général-major l'officier général dont les noms, postenoms, prénoms et matricules suivent. Kasongo Kabouik Jean-Pierre, matricule 17, 29, 81, 13, 41, 59. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Communiqué de la présidence de la République.
La journée du 4 janvier est dédiée à l'hommage national et à la commémoration des martyrs de l'indépendance. En cette année, l'hommage à nos héros coïncide avec la décision historique de rapatriement des reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue la mémoire, l'abnégation et la bravoure de tous les vaillants compatriotes dont le sang versé est le prix de notre souveraineté nationale et internationale. Par la même occasion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, invite la communauté nationale à marcher sur les traces de nos martyrs pour un Congo plus indépendant et plus démocratique qu'avant, et ce, dans un esprit d'éveil et de conscience patriotique. Fait à Kinshasa, le 4 janvier 2021, pour le cabinet du président de la République, professeur docteur Kashmir Kolongele-Berant, directeur de cabinet AI.